Pouet, 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 pouet. Brezel gratuit, j'arrive. Je viens aussi. Tu vas prendre ton brezel avec... Ah, quel parfum. Café, quoi d'autre? Mais il n'y a pas ce parfum que Régis. Ah, je meurs. Alors, qu'est-ce que c'est, la Keyblade? Rayon sépulcral. Tire un barrage de laser perforant. En ult, percer la cible d'un rayon arcanique. Ou 10 de mana seulement. Applique arcanique. Avec les stacks, du coup. Plus ou moins auto-guidé. T5 de défense pendant 10 secondes sur une riposte. Ouais, tout ce qui est imprégnation, si on a à un moment donné un truc qui fait des combos genre au toucher, bah pareil, imprégnation c'est des coups corbeau, imprégnation plus imprégnation plus imprégnation égale imprégnation. Le truc c'est qu'il faudra un autre truc arcanique parce que lui tout seul, le sort tout seul, même si en vrai il sort assez rapidement. Il est mort l'autre? Ouais. Je pensais qu'il donnait au moins un truc. Mais je peux vraiment le spammer quoi. Voilà. Oui, il vise, c'est quoi là? Il est mort, c'est bon, pas la peine d'assister. Queen, viens à moi. Je te soigne. Thank you.
Non, on a fait des dégâts décents pour une fois. Bravo. Pourquoi j'ai mal dans les pieds? Je comprends pas pourquoi c'est considéré comme un ok. On parle après Nation Food, mais. En vrai, si ça se combine aussi avec la. Ça se combine avec. Avec ça, oui. Donc, un sort qu'on sort rapidement, plus la foudre. Il peut y avoir peut-être un truc à faire. Jamais la chambre forte parce que bon. Quoique le pognon c'est ce qui permet aussi d'avoir des trucs un peu plus craqués mais des lingots d'or. C'est vrai. Enfin, il tient le coup alors qu'on lui arrête pas du coup des coups de feu. Bon, on peut acheter 18 molars, on peut mettre le Priscium dans le casier pour ouvrir, parce que tout va bien. On a le Bretzel, on s'en fout. Percé à jour, obtenez plus de 5%. Un sort, d'accord. Vraiment quelque chose à faire. Ah, ok, j'ai rien dit. La reine est finie. Donc, il y a peu de temps, c'est un peu plus compliqué. Barnaby, il y a peu de temps, hein. Et pourquoi abandonner ton petit sobriquet? C'est parce que, oui, il me demande. Oh oui, vous avez entendu, ok. Le grand patron veut pas que je réponde à cette question. Vous faites plus partie du personnel autorisé ici. Okay.
Ah, ça peut être très fort, ça. Ah, mais si l'autre dégonflé t'interdit de faire, de te faire appeler Brad, c'est ça? Oh, lui aussi, il trouve ça ridicule. Pas trop, ouais, j'ai parlé pas de... Hein? Il entend tout. Ah, c'est avec ça, monsieur le grand patron qui tire les ficelles, que je dise qu'il est un bon gros dégonflé. Encore faut-il arriver jusque lui, déjà. Vu qu'on n'y arrive plus. Alors... Souillure cadavérique, élimination déclenche une vague de poison, plus 25% de mana max. 35% de chance d'infliger traîtrise. On va bourrer la... Le piou 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 piou. J'ai hésité à racheter une anima dans le réfectoire et c'est ok. Sur la salle de pause. Parce que du coup on sera passé à côté de ça et ça c'est la fameuse pluie de pierre de Brad. Attaque spade de Brad, signature. Et du coup ça veut dire que ça me bouffe plus de mana, genre je fais ça. Ah d'accord, j'y suis retourné parce que je pensais au départ avoir fait mon premier dash vers la gauche et en final non. Mjolnir, BL Mjolnir, non. Pas de cap, full sort. Quoique bon, en vrai, avoir le tombé de roche, est-ce que c'est pas une malédiction parce que du coup ça va me bait à utiliser ma mana juste pour lui. Juste du coup c'est assez cher. Alors que j'ai quasiment aucun intérêt à lancer un autre sort que le laser. Alors regardez-moi ça, c'est tellement puissant. Combiné avec ce que j'ai actuellement. Baron, c'est qui Argibaron? Baron du pétrole. Ah, on la prend pas souvent lui. Ok. Quand il revient, il fait des dégâts aussi.
Pyramidisa d'enfer au final. Médusa d'enfer. Tu crées là d'enfer et Médusa de sirène. La petite sirène. Comment ça la bourre? La trêve obtient moins 35% de temps de recharge. Ainsi parlait la grande Atwin. L'essor affiche plus 50% de dégâts bonus. Le temps de recharge de la ruée augmente de 50%. Oh. Alors. Bon, en fait, quand tu recharges de la ruée, ça peut être très compliqué. Bon, ouais, on sent pas trop. De la mana max. Bon, soigner quand même à un moment donné. Service Vitam. Mais du Molar Forever. Du Molar, c'est tellement puissant. Et on n'arrive jamais de son bout des arbres. Enfin, si, au bout d'un arbre, mais pas de tous en même temps. En vrai, là qu'ils ont enlevé un étage, je sais pas si c'est encore faisable. Je sais pas à quel point ils ont ajusté la difficulté. C'est ouf quand même d'avoir pensé à tout un jeu en disant il y aura tant d'étages. Et de changer parce que ça, les runs paraissaient super longues. Raccourcissez des étages et... élimination plus 3 de défense pendant 5 secondes. Survivez à toutes les attaques létales tant que vous avez plus d'un seul point de vie. Ça avec la régène. C'est surpuissant. Bon, là, faut tomber sur de la régène. Mais en vrai, du coup, on a tout intérêt à utiliser nos animas avec parcimonie. Une anima à la fois, et c'est ok. C'est vraiment surpuissant. Bon, en même temps, c'est un truc de rang 5, mais quand même. Ça et ça, du coup, combiné. Un truc périodique. On n'a pas augmenté notre périodique, c'est sur cette run-là ou sur 10 minutes 45% de périodique. Ah, c'est qu'on peut pas voir. Ça, c'est un peu mal foutu aussi. On peut voir notre carte. Ah non. Ok, on peut voir, c'est l'arbre qu'on voit. Ouais, bah alors faut savoir ce que ça veut dire.
On a pris moult trucs de mana et... J'ai pas l'impression que ce soit sur cette run là. Ouais, il est sur le bleu, donc les deux sont pas incompatibles. Mais moins 35%. Que rend 1. Augmenté de 50%, je sais les dégâts de mana de magie, on a les corbeaux et les éclairs sur la magie, enfin, sur beaucoup de choses d'ailleurs. Ouais, c'est pas là, on a diminué le périodique. Mais je vous ai vaincu, vous devriez être au néant à l'heure qu'il est. Vous attendez à réapparaître dans mon bureau et t'asseoir sur mon fauteuil aussi, oui? Des dégâts. Qui fait les règles, c'est malhonnête de profiter du système comme ça. Dans les deux cas, j'aurai le dernier mot. Je dois dire que cette conviction nouvelle me plaît, ne me plaît pas du tout. Pas du tout. L'élimination vous octroie un soin de 1. Donc ça... Burnout canalisé, riposte, remplis votre jauge de frénésie. Pas trop dégueu. Ça aussi c'est pas dégueu. Encore plus de mana. Toujours plus de mana. Pas besoin qu'elle soit dorée ou pas. Après, évidemment, on devient de plus en plus faible, plus on soigne, plus on devient faible, mais au début du coup, on devra faire des dégâts monstrueux. Une réunion sans salle de réunion, ça ressemble à rien. Devant un petit café, c'est différent. Là, c'est décontracté, là, on peut être efficace. C'est vraiment gentil à toi de m'aider à remplir les cartes de vœux. T'inquiète pas tout, j'aime bien faire ça. Mais dis, pourquoi dans ta liste on n'en donne pas à Monsieur Gudron? Il aime pas Noël?
Elle vit vite depuis les dramas de 1963. Vaut mieux éviter de réunir Monsieur Goudron et Mazor si tu tiens à garder sa chemise propre en tout cas. Ah mais ça ne me concerne pas. Je porte que des t-shirts, c'est plus confortable. C'est vrai qu'on a pu continuer à augmenter le verre. Ça fait plaisir de faire des dégâts quand même. On a un très bon build. Maintenant encore faut-il ne pas le gâcher. C'est vrai que si je vais à la forge, de toute façon, je vais plus augmenter la... le rayon laser que les rochers. Mais là, du coup, on prend des malus sur la guerre. Donc, vu que maintenant on peut choisir entre guerre ou tempête, bah, du coup, hop, on a qu'à prendre tempête, c'est ok. Ice mana, dépôt d'anima. Ma mana. Toujours plus de food, hein, égal du coup à plus de food. Mais même le... Ah oui, par contre notre dash n'est pas... Là on l'a vu du coup qu'il était ralenti. Un cooldown plus gros sur le dash.
Donc ça fait tout seul. Bon, on tente. On sent puissant, on sent pousser des ailes. Alors on va se faire éclater. Oh, King Dang, il est pas fort. Il fun plutôt bien ses attaques, mais bon, chaque fois qu'on dit ça, on va faire de la merde. Oui, on peut les tuer. Sérieux, quoi? D'une malédiction. Ah. Donc du coup 75 passe à 150. Je pense qu'on va se rabattre sur Jackie de la guerre qui est quand même plus safe. En termes de pattern, pas le même niveau qu'Imamura. D'accord. Excusez-moi. Bon, faudra aller au local technique à un moment donné, mais... on a pas de prismium. Mais ça serait bien d'augmenter le sort en vrai. Et c'est tout sur le arcanique, hein, s'il y a quand même des dégâts bruts aussi. Il nous manque... Ah! Angel, c'est le roi, le King Boss. C'est quoi votre problème avec le projet? Eh bien oui, je crois que je sais ce que je fais. L'idée est de taper là où ça fait très mal. Denzel? Hey King, le... le moustique. Empêche, 5 fois à l'interrompre dans sa créativité, vous allez tuer son inspiration. Mon métier, c'est de tuer arbitrairement pas n'importe comment, à retenir.
Ah oui, d'accord, c'est le dernier. Je sais pas si j'en ai besoin de ça, je pense pas. Cleaner plus rapidement les niveaux, mais c'est un boss, ça sert à rien. Mais l'autre, il m'inspirait pas. Je pense qu'en termes de régène de mana max et tout ça, on est vraiment bien. Pas besoin de bourrer davantage. Ah, les malédictions bleues. Sur les catastrophes naturelles, non, c'est vrai. Que ça pouvait être mieux, parce que du coup, en complément de la mana, vu qu'on a un build mana, là où jouer rouge. Fais gaffe, mais j'ai eu l'impression que ça avait fait un bruit de... Je vais sur Yukan. D'accord. Ah oui, c'est grandement amélioré. Ils ont dit que le truc est amélioré, mais... Pas si on les laisse pas attaquer ces cas, mais... On devrait soigner, mais... On espère tromper du café. Ah, du coup, hein. On était tellement focus à esquiver cette merde que... Je vais avoir par l'univers. Je crois qu'on a survécu avec l'histoire bien vitale. Il y a eu des instances de dégâts. J'avoue que le missile amélioré, c'est chaud aussi. Il y a eu des dégâts, je sais pas trop d'où ils sont venus par moment. Tout va bien.
Comme ça, on n'a pas besoin de se soigner davantage. Grâce au truc pété. Je sais pas à quel point on pouvait affronter Flage en vrai. Vu qu'elle est boostée en plus. Et on n'a jamais amélioré notre faux du coup qui aurait pu damer le Prismium. On n'a pas rencontré des masses. Voire même aucun. Alors peut-être celle du départ du coup. C'est nous qui l'avons dit Gamel. J'ai gardé le café parce que je me suis dit de... Vu qu'on est capable de tanker tant qu'on a pas un pev. Mais c'est vrai qu'on fait plus de dégâts avec aussi la... Plus on a d'anima, plus on fait de dégâts. Ça aussi c'est monstrueux quand même. J'ai vraiment droit de tirer à travers les miens. Bitam, c'est ouais, en vrai c'est pas être très utile, j'aurais dû prendre le hasard 2 là où on aurait pu du coup dropper moult animaux dorés, du soin, je sais pas, quelque chose. Est-ce que là, du soin, enfin des PV max, on a pas besoin, tant qu'on a pas de soin. Ouais, après c'est dans l'obscurité là-bas. Ok, il y a un peu de soin, c'est pas trop dégueu.
Et s'assurer d'être full soigné, pourquoi pas. Sachant qu'on va tanker la première instance de dégâts avec l'armure. On a toujours. On va essayer de régler nos différences sans éclat de voix intempestif. Proposition refusée. C'était un vieux vœu pieux. Faut pas que je fasse l'erreur du missile et je l'ai fait. Commandant, je ne vous écoute pas, Major Piscan. On a pris beaucoup trop de dégâts. Alors qu'on était full vie. Je suis pas dégueu. Ok, donc là on arrive déjà dans le truc du temps. Dis chef, vous voudriez pas que je vous change votre mot de passe de session d'async parce que Unlory Ruse 123 c'est un peu convenu. On est d'accord que j'ai bien tous les morceaux de médaillon. Peu importe vers quoi ça me mène. Bon, ici, il y a plein de Pokémon qu'on connaît pas, donc on connaît pas trop les patterns. Le but c'est de les tuer avant qu'ils aient le temps de faire quoi que ce soit. Pas un deuxième, en vrai ça va pas me servir de booster la faux. Faire voir. Sauf si les parcs sont considérés comme étant un Tanagar, mais... Putain, les Catherine, je sais plus.
Ok. Waouh. Le Rasta niveau 2. Je sais pas à quel point la pluie de pierre est intéressante. C'est la bonne attaque. Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi pourrait me servir mon Prismium, mon second Prismium. Si on retrouve un local technique après, mais on l'aura pas. Donc du coup, dommage qu'il soit proposé là, local technique. Ah mais sérieux, il a le temps de cracher sa merde là, de s'habiller. Je suppose du coup. Tu remets un bretzel? Oh, oh là là. J'ai demandé. Thank you.
Pourquoi changement d'arme impossible? Est-ce que ça veut dire que du coup je peux pas faire Y, B et X? Dans ce cas-là, je me fuck la run. Ou est-ce que ça veut dire que du coup je suis condamné à jouer avec ce que j'ai actuellement? Pour moi, le premier, ça me semblait aberrant. Donc du coup, je... Okay. C'est juste que je pourrais pas les drop et les... Ok, ça me va. Ah bah d'accord, j'ai pas utilisé mon deuxième prisme, mais en même temps, vu que j'avais plus de pognon, je le garde pour la postérité. Parce que les animas très fort pour moi. C'est de la merde. Oui, voilà, vu qu'on n'a pas le choix de toute façon. On va peut-être préférer un Lamellior qu'un Lorasta. Mais... T'as mis contre mourir ou jamais de la vie? 1 milliard de PV. Enfin, je sais pas pourquoi je vais à l'économie au lieu de bourrer. Un truc périodique pour la mana. Les 35 PV max perdent moins 50 de mana max, vraiment. J'ai peur de la malédiction aussi. Pas ça. J'aime peut-être très bien en vrai. Justement avec cette histoire de j'ai pas le droit de mourir si je suis au-dessus d'un PEV. Ça dépend de... Ah, directement le temps. Il n'y a plus les parcs. Ah si, parce que c'est son bureau, mais en fait elles sont là quand même. Non, pas du tout. Ah, on propose une dernière fois quand même le casier. Si elles sont là. J'ai paniqué, du coup j'ai utilisé une anima alors que j'étais à... Ah, yeah, c'est cool, ça me va. J'étais à 2 de santé. Je peux vraiment être encore à court de mana maintenant. Difficilement.
Ça ne te lasse pas de te répéter ce cirque tout le temps, hein? T'as pas, je serais très très énervé, oulala. Justement, c'est le moment d'y mettre un terme, parce que j'ai ceci avec moi, la comédie a assez duré. Oh, donc tu connais la réponse à mon énigme? On la reçoit sans remercier, on en profite sans savoir pourquoi, on la donne à d'autres et on la perd sans s'en apercevoir. Qui est-elle? Tu crois que je vais te faire ce plaisir? Ah d'accord, on a réussi à mourir parce que on s'est pris les deux coups à des intervalles réduits comme un sac à caca. On a pu appuyer sur LB parce que du coup je voulais regarder, j'ai pas eu le temps et j'aurais dû appuyer sur LB et j'étais vraiment un sac à merde. Et du coup j'ai atteint le niveau 20 qui est le niveau max. Non mais quel enfer de wipe une run aussi simple. Bon, il est 3h24, on va se coucher. Ça sert à rien d'acheter des trucs, de toute façon c'est pas sauvegardé, donc des bisous.